manucure, communication, prise de vue, montage vidéo, na causera régisseur, yaka na centre pilote de formation professionnelle et métier, oye mami et pa ya mama animi pelvelenge sa diaspora ya France, aye pona ko répondre na mela oye mo koza mboka lobaki, ba yi komo mani baso nga po na kotombo la ekolo Congo démocratique du Congo, na lobi na bino makamotali couture na 3 mois ya pamba, aussi formation pe certificat international. Et Bessio Valère, Ngakutu, Nakolobate, Binomoko, Bolan. Tozana Centro, Tozako Luka, ba maman, ba jeune fille, ba fille mère, ba onyo, soba vande na bandak, ba onyo, soba ane loko salate, baya awa na Centro, dans 3 mois, okozala déjà utile à la société. Kotonga awa, kobetobe tango dada 3 mois kaka. Depuis la fondation yo Esther Blanksy, batabo bazala kebelete na Congo, mutu vraiment atiki poto. Ayawa kaka pona kosunga biso ba mama, biloko ango yo président na biso Fati Beton, aoluka ba mama kosala na bango. Ba mama boyendete. Ma maman bonde tozo luka po maman bo soka tombwami peuple congolais c'est pays centre de formation AIB et fungwami po na mutu nyonso tu mwana ya Kishasa nyonso tu ozala mwasi ozala mobali ozala mama ozala papa ozala besoin ko apprendre quelque chose de plus la vie nae donc inscription na AIB eza gratuit adhésion mais les conditions eza que pour osala inscrit d'abord premièrement na ANA centre de formation il faut osala membre adhérent à AIB parce que il y a des bénéfices par rapport il y a ba membre adhérent to peki si pété ba to baza ba membre adhérent te ba ko peut ko s'inscrire au bazala besoin ko osala former mais les conditions réelles est que ba bénéficiaire d'abord il y a ba bien au nyo surtout ya AIB ezali ba membre adhérent mutu nyo surtout au aza formé na centre la biso a kozwa certificat oyo ekopé sa ye valeur soka kei ko monté atelier na ye to ake ko luka ko sala quelque part alors ba certificat na biso tozo sala yango na norme internationale pourquoi na zo ba na norme internationale parce que il y a des surprises agréables les tozo comme na ba poto ba diplôme na biso ezo za la reconnaître na poto alors yango biso to tie ke ba tu ba kozwa ba certificat ya réussite na formation na centre na biso et ko za la na norme internationale pour permettre bango a cause a chance a ko bimambo ka place a ko kende et qui permettre à ça la diplôme wana. Alors, rendez-vous dès la semaine avec votre magazine au centre, votre magazine qui vous accompagne. À tout moment, c'est rester pour nous en devoir. Pourquoi pas une obligation d'être là. Magazine au centre, surtout avec quelques questions à la une. La politique, musique, culture, ainsi de suite. La religion peut être le bébé d'Akayango. Voilà. C'est le début de la semaine de la présentation avec Jean Miema. Tous en apprenant Robeta Maïmatali, École au Congo démocratique avec l'insécurité à l'est du pays. Boyokaki position à la communauté internationale. Tout évité. Batelemeliwapi. Est-ce que Bazana Ngambu ya pays ya Congo démocratique? Est-ce que Bazana Simamara Moussousou tout évité? En deuxième position, tout retour à Maramo Itali, élection. Déjà, nous courons derrière le temps. Et la CENI aussi, tu habite Kuna, tu Rolanda, parce que nous avons l'obligation, il y a combien de rabbinos qui ont invité Makambo. Nous ne sommes qu'au milieu du village. Tu as vu que tu as Makambo. Et puis, analyste, politique, on est maîtrisé à Makambo, on est au plateau. Nous avons reçu sur ce plateau 3 grands invités. Il devait être à 4. Malheureusement, la pluie qui a dérangé, Maître Gustave Lutumba de l'UDPS, qu'à cela ne tienne, les plateaux va toujours continuer. Bien, ils sont là, ils ont répondu présent. D'abord, monsieur Christian Menda, communicateur de l'envol, chouchou de l'envol, comme on l'a dit. Merci d'être venu, c'est la première fois sur ce plateau. Merci beaucoup, je tiens à vous remercier par rapport à votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique, l'envol, ainsi que son président national, l'honorable Delice Sanga Ipungu Djakasan Kapitu, que je salue ici en passant, mais également je tiens, profitant de votre micro, à compatir avec tous nos compatriotes de l'Est, victimes des atrocités qui sont devenues aujourd'hui comme un crématorium. Et donc nous compatissons avec vous, nous sommes derrière vous. Merci beaucoup. Et là, nous
Monsieur Serge Taboko, il est de l'ESID, proprement dit de la Mouka, un habitué de cette émission. En tout cas, il est parmi les fidèles. Hein. Nous tenons à ce que monsieur Christian, on va fidèle. Donc, au-delà de tout, les boucs émissaires, ils ont permettre de temps la bien-être. Alors, monsieur Serge Taboko, politologue, merci d'être venu encore et encore sur ce plateau. Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je sais que nous avons passé un bon moment pour faire avancer notre pays. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, les informations en notre possession, les agresseurs du Congo sont à 20 km de la ville capitale de Nord Kivu. Mais on ne va pas baisser les bras. Nous allons faire en sorte que le pays puisse retrouver sa paix. Nous allons faire en sorte que les Congolais qui ont perdu l'espoir puissent encore espérer quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, monsieur Mathieu Kabeille, l'homme du changement. Il est aussi parmi les fidèles. Hein. Il aime bien le magazine au centre, l'émission qui fait la une hein, partout. Quand vous suivez, c'est le magazine au centre qui fait la ronde. Monsieur Mathieu Kabeille, l'homme du changement. Merci d'être venu. Au-delà de tout. Merci beaucoup, Jean Mima. Merci, mes collaborateurs. Merci, vraiment, je vous salue. Et je salue la République démocratique du Congo. Parce que c'est mon pays. Je n'ai jamais eu de double nationalité. C'est ainsi, vraiment, la situation de ce pays m'intéresse beaucoup. Il faut que ce pays puisse changer. Je n'ai pas pris le nom de l'homme du changement pour des plaisanteries, mais pour qu'il y ait réellement du changement. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes en direct sur YouTube. Mettez ou tapez seulement au Centre TV, vous allez nous retrouver. Nous sommes là en direct. Émission Ezali bilingue. Et là, qui s'y quitte, on va être dans le poteau. Et puis, il y a encore entre Baï Kongoma et tout sur la Manamou. Parce que, surtout dans les Cambois italiens, sécurité, en Mboka, ça touche, ce sont des questions sensibles. Tobandi, Namon Mboka, Christian Menda. Vous avez suivi l'insécurité à l'Est qui continue juste là. Et la RDC qui continue avec les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue à multiplier des stratégies sur les plans diplomatiques. Et maintenant, une détermination. Vous qui êtes de l'envol, et maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Il faut être un peu patriotique ou la responsabilité incombe encore jusque-là les pouvoirs? Vous avez la parole, monsieur Christian. Une fois de plus, merci. Je rebondis à votre question tout à l'heure, mais permettez-moi, sur votre plateau, de saluer la bravoure de peuples congolais qui ont répondu massivement présents lors de l'audition montée par la commission parlementaire au sein d'organes délibérants qui devait auditer l'honorable Denise Sanga concernant l'affaire Emolima de député. Nous étions là, nous avons déposé toutes les preuves matérielles. Nous attendons de la commission la publication de ces résultats pour que notre peuple puisse savoir comment est-ce qu'est géré ses finances publiques. Parce que justement, cette question de la réduction du train de vie de l'État, qui est pour nous un programme de politique publique structurelle et non conjoncturelle que nous avions mis en place depuis 2019, ne concerne pas l'envol, ne concerne pas l'honorable Denis Sanga, mais concerne tout le peuple congolais parce que la Constitution parle en son article 58 de la redistribution équitable de richesses. Entrez un peu dans la question, Je rentre dans votre question. Bah, écoutez, vous savez, en droit constitutionnel et institution politique, il existe les trois statuts d'un État moderne. Il y a l'État gendarme, l'État patron et l'État providentiel. Mais aujourd'hui, faudrait-il encore se poser la question sur la gendarmerie de l'État congolais par rapport à l'insécurité qui se vit au sein de notre pays. Parce qu'il n'y a pas que cette situation de l'Est, notamment aux portes de Kinshasa, ici à Kwamout, à 50 km, nous avons l'insécurité. Mais jusque-là, on a comme l'impression que nous vivons dans un État démissionnaire, nous vivons dans un État déliquescent, presque un quasi-État. C'est pourquoi, s'agissant de la question de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons dit l'occupation de Bunagana, de Iwanja, ainsi que de Rutshuru aujourd'hui,
par le M23 soutenu par le Rwanda, force au demeurant et jadis vainquie en 2013, est la preuve de la faillite politique de ce régime de M. Félix Tshisekedi, qui, du reste, à son arrivée au pouvoir, s'est lancé dans une perspective diplomatique qui n'a pas donné de résultat. Je m'en vais vous dire deux erreurs majeures qui ont été commises par M. Félix Tshisekedi. La première erreur, c'était une erreur diplomatique. Monsieur arrive au pouvoir par conclure des accords, qui nous dit que c'était des accords économiques ainsi que sécuritaires. Mais dont l'Assemblée nationale, les représentants du peuple aussi, n'en connaît pas la teneur. Ça, c'était la première des choses. Et dans cet accord qu'il est allé signer, nous avons constaté que l'accord multilatéral d'Addis Abeba a été bypassé. Parce que cet accord permettait justement que le Rwanda ne puisse pas avoir des velléités expansionnistes sur la République démocratique du Congo. Mais cet accord a été bypassé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une situation sécuritaire où tous les gestes diplomatiques amorcés par le président en place a échoué. Alors, M. Christian, s'il vous plaît, parce que depuis le Congo, le poteau n'est pas ici, et mon côté en ligne, la pouvait permettre, parce que le Congo est allé sécurité. Il faut traiter, on a un peu de patriotisme et permettre et battre. C'est que vous êtes de l'opposition, c'est normal. Asikoyo, vous dites que tout ce qu'il a mis en jeu comme plan est aussi battu ainsi de suite. Ne regardez-vous pas que non, il ne peut pas toujours avoir la même mise dans les Kamoué, dans les communautés internationales, parce qu'il y a un thème. Tout le monde est en sécurité, tout le monde est position à la communauté internationale. Est-il seulement les responsables de tout ce qui s'est passé? Je vais rebondir, mais je finis. Une minute, parce qu'on on a encore la parole. Je vais rebondir. J'atterris pour dire, aujourd'hui, on jette le sort sur la communauté internationale. C'est vrai, la communauté internationale a une part de responsabilité énorme. Mais notre sécurité à nous ne peut pas être organisée, sous-traitée par une communauté dite internationale. Parce qu'en fait, en relations internationales, il existe des facteurs déterminants à la politique d'un étranger, d'un État, comme à toutes les puissances. Et c'est notamment les facteurs économiques et démographiques dont on trouve